la demande de notre école d'enseignement musical et de la commune, ils nous reviennent cette année gracieusement avec un nouveau répertoire. Nous pouvons les remercier d'être venus gracieusement. Jacques Philippe. On est ravis parce qu'on en garde un beau souvenir de notre dernier passage à Chambourigaud. J'espère que vous allez partager ce moment musical avec nous. Bon après-midi et que la musique règne. Voilà, merci. Par Johan Lennex et c'est un morceau de Norman Taylor. On va continuer avec un morceau de répertoire un peu plus classique puisqu'il s'agit de La Pivoleuse de Rossini. Thank you.
Cinématographique de ses 20 dernières années. Il a composé sa première musique de film en 1979. Il a à son actif plus de 150 de musiques de films, parmi lesquelles Cocoon, Lilo, Apollo 13, Le Masque de Zorro, et plus récemment Avatar, avec lequel il collabore depuis quelques années avec James Cameron. Voilà, donc Le Masque de Zorro. Thank you.
trompette solo au pluriel. Sans oublier l'élément essentiel du morceau, les castagnettes avec donc avec un morceau de monsieur James Horner, ça s'appelle The Ludlow, et il y a un instrument qui va être mis à l'honneur, mais vous l'entendrez de par vous-même. Amélie.
accompagné de tous les autres. Voilà, donc l'Assus trombone. Voilà, en général, ceux qui jouent pas bien, je les mets un petit peu de côté. Là, il y en a quatre.
1959 aux Pays-Bas, et il compte parmi les compositeurs de l'orchestre à vent les plus appréciés et les plus joués dans le monde. Concerto d'amour est composé de trois périodes thématiques et caractéristiques de la musique baroque, pop et jazz. Voici donc Concerto d'amour, interprété par l'école de musique du pays Grand Combier. Donc je salue le premier adjoint de la mairie de la Grande Combe qui est, je ne sais pas, mais il est parmi nous. Thank you.
Voilà, on change encore de style et on va... Un morceau de musique qui a été repris, chanté maintes et maintes fois, ça s'appelle The Locomotion. Et c'est Jerry Goffin qui a écrit ce morceau. C'est un parolier américain, et le 11 février à Brooklyn, 1939. Il est connu surtout pour son association avec la compositrice Carole King, qu'il épouse en 1959. Ensemble, ils écrivent une série de tubes dont le plus connu, c'est The Locomotion. J'espère que vous allez reconnaître. Sinon, c'est la faillite.
une guitare basse. Elles sont solidaires, elles ne se lèvent pas parce qu'il y en a une qui est blessée au pied. Séance, c'est musique de, qui a longtemps été le générique d'une émission de télé présentée par Eddie Mitchell. Et c'est son parolier, Pierre Papa Diamandis, qui a écrit cette magnifique balade. Voici donc la dernière séance. Et ne partez pas parce que après, c'est pas fini.
pour clôturer ce concert. Que de mieux, c'est Last Call, ça veut dire le dernier cri. On va le pousser ensemble. Voici donc Last Call.
pas le titre. Vous ne l'avez pas sur le programme, celui-là. Ça, la version française, c'est « Le tigre est toujours à l'affût ». Voilà. Regardez derrière vos chaises. C'est un morceau de Monsieur Larocca et d'Acosta. Et c'est un arrangement de Wonder Boot. J'y suis arrivé. Enfin, puisque c'est le dernier morceau, encore une fois, je voudrais remercier l'association musicale de Chambrigo, son président, M. Philippe Jacques, et vous, cher public, parce que franchement, jouer avec une telle écoute, c'est super. On vous applaudit. Je réitère mon invitation pour la formation, enfin, l'ensemble musical. Si vous voulez venir à la Grande Combe, vous serez les bienvenus. Voilà.